Les opérations de sauvetage d'un spéléologue allemand de 52 ans, coincé depuis une semaine au fond d'un gouffre à plus de 1000 mètres de profondeur dans le sud de l'Allemagne, se poursuivent. Une équipe de 200 secouristes est mobilisée pour le remonter à la surface. L'homme est blessé à la tête, ce qui complique la tâche des secouristes, car il doit principalement être déplacé à l'horizontale. Jusqu'ici, nous sommes parvenus à transporter tout le temps le patient sur une civière. Il n'a pas eu besoin de se lever, explique ce porte-parole des sauveteurs. Trois médecins sont actuellement à ses côtés, un Allemand, un Autrichien et un Slovène. Il bénéficie donc des meilleurs soins possibles au regard des circonstances. Mais la partie s'annonce de plus en plus périlleuse, car le spéléologue va désormais devoir être hissé le long de parois plus lisses. Pour décrire ce qui les attend, un secouriste a eu cette phrase : « Il faut oublier tout ce que nous avons vécu dans des opérations précédentes ».